Bonjour. Donc, moi, je suis Kewema. Je suis la vice-présidente de la Maison d'Afrique. Donc, aujourd'hui, on est là à notre stand au Salon d'immigration. La Maison d'Afrique, c'est une maison qui est une terre d'accueil, en fait, pour tous les Africains qui vivent au Luxembourg et qui viennent immigrer au Luxembourg. On est ouvert à accompagner tous les Africains qui viennent au Luxembourg pour les accompagner surtout dans la... qu'ils arrivent à s'intégrer de façon plus facile, on va dire ça. On met en place des cours de langue, le luxembourgeois, le français, l'allemand et l'anglais, parce qu'il est prioritaire pour bien s'intégrer d'apprendre la langue, de maîtriser au moins une des langues officielles du pays. On les accompagne, nos frères et sœurs africains, à toutes les démarches administratives, aux jeunes aussi qui ont des projets pour ouvrir une entreprise avec l'ADA, avec qui on est en partenariat. On arrive à les aider à poser des projets pour après pouvoir avoir un financement. Et souvent, on arrive à financer aussi des jeunes, mais issus de nos pays, avoir des financements au-delà de 20 000, 25 000 euros pour réaliser certains projets. Donc la Maison d'Afrique, en fait, c'est aussi... chaque frère et sœur qui viennent, on les accompagne au cas par cas, en fonction de leurs besoins, en fonction de leur réalité, de leur histoire. On essaie juste d'insuffler à la communauté qu'ils adhèrent à une immigration intelligente, une immigration digne. On est intégré, on s'assume et on est fier de ce qu'on est. Et ça passe par s'assumer, avoir une vie sociale, un travail, être indépendant et autonome, l'autonomie avant tout. À travers ça, on a différentes sortes d'ateliers, d'activités et de partenariats avec différentes autres associations, juste toujours pour améliorer, mieux travailler et mieux aider les populations de notre communauté qui vont venir. Et aujourd'hui, avec la Maison d'Afrique, on est sur un projet Erasmus avec 8 associations quelques-unes sont là. Qui viennent un peu partout, la Pologne, l'Italie, la Grèce, etc., etc. Et on essaye à travers ce projet d'échanger des pratiques, bonnes pratiques, de savoir-faire, de connaissances, toujours pour mieux accompagner nos compatriotes qui viennent immigrer ici. Donc voilà la Maison d'Afrique, c'est la maison des Africains au Luxembourg. Merci beaucoup à Ziana TV. À leurs téléspectateurs et à très bientôt sur Ziana TV. Merci.